Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration et derrière soi-même, et je vais vous montrer donc comment crocheter cette jolie écharpe pour l'automne. Donc une écharpe assez plutôt ajourée, assez légère, donc voilà, ça vous fait cet effet sympa au niveau des couleurs avec un changement, voilà, de couleur léger. Et puis vous avez vu, c'est sur une base de points V. On alterne par rang de différents points, et je vais vous montrer donc de suite comment on va procéder pour réaliser cette écharpe. Donc on commence avec la pelote de chez Teddy, donc la Fairyland. Donc c'est 150 grammes, 370 mètres de fil à peu près. Donc sont, voilà, des couleurs comme vous voyez vraiment sympas, dans les tons rose orangé. Pour des aiguilles 3-4 mm, comme vous pouvez le voir, je travaille avec le 6. Et ensuite, c'est du coton 60% et polyacrylique 28%. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc j'ai commencé à travailler avec mon crochet 6 mm, donc un peu plus gros que recommandé. Et je vais travailler sur un multiple de 3. Donc je vais partir sur 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc multiple 3 plus 2. Alors, multiple de 3 plus 5, pardon. Donc 15 plus 5 en plus. Donc là, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, on va travailler à partir de la sixième. Et on part à partir de 7 mailles et on crochette 3 brides dans cette maille. Voilà, et après, donc voilà, le premier paquet de brides est terminé. Ensuite, à nouveau un jeté. Et après, on va dans la suivante. Enfin, voilà, on saute à 2 mailles et on va crocheter 3 brides à nouveau. Ensuite, on saute 2 mailles, on va dans la troisième maille, on pique et on crochette 3 brides. Et là, il nous reste encore 2 mailles, et dans la dernière, on crochette une bride. Donc j'ai travaillé ces petits paquets donc 5 fois au total. Voilà. Donc maintenant, on va commencer le rang numéro 2. Donc 3 mailles en l'air. Et là, je vais aller donc me positionner dans la maille du milieu. Donc vous avez vu, vous avez 3 brides. Et vous avez au niveau de la bride du milieu, vous avez une maille. Et vous avez travaillé dans cette maille, vous avez crocheté donc une bride, une maille en l'air, une bride. Pareil, je vais au niveau de la maille du milieu suivante. Bride, maille en l'air, bride. Ok, 5 fois.
après on continue, le fois qu'on a terminé avec notre bride sur la dernière maille, eh bien on va faire 2-3 mailles en l'air et on va crocheter 3 brides au cœur de votre duvet en fait. Voilà, et donc dans chaque V, vous crochetez 3 brides avec une maille entre. Ok, donc là on arrive vers la fin et on arrive au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Ici, vous crochetez une bride. Là on poursuit, hein, donc on crochète avec nos 3 mailles en l'air et puis vous faites votre premier V avec une maille en l'air entre les deux brides et votre V, voilà, il est travaillé au milieu. Donc vous voyez maintenant l'évolution de votre point, donc c'est vraiment, vraiment c'est un effet vraiment sympa à jouer, puis voilà, le dégradé de couleur est très léger et vraiment joli. Donc c'est ton rose et un petit peu, là on arrive sur du blanc cassé. Donc vraiment sympa. Donc je vais poursuivre un petit peu mon écharpe jusqu'à atteindre voilà, une bonne longueur. Donc là j'ai obtenu une bonne longueur. Vous voyez les différentes couleurs, les changements, le dégradé qui est vraiment sympa. Donc vous avez l'orange ici. Donc vous avez à peu près 120 cm de longueur. Donc c'est vraiment voilà, une écharpe très légère. Hein. Et là on va pouvoir du coup terminer avec une bride. Et là voilà la dernière bride au niveau de la chaîne de mailles en l'air aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc vous voyez, donc maintenant le bel aperçu entre les changements de points, donc les V puis les baquets de 3 brides. Donc, vraiment sympa, tout doux. Est très léger et vous avez vu, donc vraiment simple à crocheter et assez rapide aussi à crocheter. Voilà, ça vous fait une belle combo de couleurs. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, si c'est le cas, donc aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite, salut !